Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler de la différence entre le français familier et le français québécois. Le français familier, c'est ce que tout le monde parle dans un contexte pas formel, peu importe qu'on soit en Europe, en Amérique du Nord. Quand on parle naturellement, c'est plus rapide et c'est plus difficile à comprendre, et c'est très important de le comprendre parce que c'est pas comme dans la salle de classe. Donc je fais les vidéos pour vous aider à comprendre les manières de parler familières qui sont difficiles à comprendre. La différence maintenant avec le français québécois, c'est que c'est souvent la langue familière, donc plus rapide, plus difficile à comprendre, et avec en plus du vocabulaire et une prononciation différente. Donc c'est un peu plus difficile à comprendre. Un exemple, quand on dit je suis, en Europe ça va être suis, au Canada et au Québec ça va être chu. Donc je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. À bientôt!